Alors, nous sommes le lundi 22 mars 2021, donc ouverture de soumission pour la municipalité de Morin Heights. Mon nom est Hugo Lépine, je suis directeur général et les deux témoins de cette ouverture de soumission sont Mme Carole Bernard, Mme Louise Atkinson. Nous allons procéder à l'ouverture des soumissions dans le dossier de l'appel d'offres 2021-09. Prolongement des infrastructures pour l'implantation de Habitat Morin Heights. Alors, première soumission que nous avons reçue est celle de Normec Construction. Donc, Normec Construction, soumission à 697 183,07 taxes incluses. Deuxième soumission, Excapro Incorporé. Alors, nous sommes le lundi 22 mars 2021. Il s'agit de l'ouverture des soumissions de la municipalité de Morin Heights pour le projet de prolongement des infrastructures pour Habitat Morin Heights, appel d'offres numéro 2021-09. Donc, nous avions débuté avec 1 minute 46 et pour des raisons techniques, l'enregistrement s'est arrêté, nous le reprenons. Nous avions ouvert une première soumission qui était celle de Normec Construction au montant de 183,07 sous taxes incluses. Donc cette soumission est ouverte. Les deux témoins sont ici présents. Donc toujours Hugo Lépine accompagné de Carole Bernard et Mme Louise Atkinson. La deuxième soumission que nous nous apprêtions à ouvrir est celle de Excapro Incorporé, EXCAPRO. Que, évidemment, ces soumissions-là feront l'objet d'une vérification par le comité de sélection pour en vérifier la conformité. Alors, Excapro soumissionne à 799,319,40 taxes incluses. Troisième soumission maintenant, soumission de Bernard Sauvé, Excavation Incorporée.
621 963 $ et 88, taxes incluses. Soumission maintenant de 92, 67, 73, 68, Québec incorporé. Alors, 679 276 $ et 56, taxes incluses plus. Soumission de construction TRD incorporée. $639 786 $ et 57. Soumission de Monco Construction Incorporée. $539 604 et 86, taxes incluses. Maintenant, soumission de Interchantier incorporé. $615 511 et 73. Et la dernière soumission, David Riddle Excavation Transport. $552 269 et 16. Alors, ça complète cette ouverture de soumission pour le projet de prolongement Habitat Moorlands.